Voilà, on est venu avec Milan, sachant qu'ils étaient en haut du tableau, on savait que c'était une grosse équipe. Ils l'ont prouvé encore une fois, donc on a essayé de répondre du mieux qu'on pouvait, on est passé à côté ce soir. Je pense que c'est une victoire méritée pour Épinal, ils ont tenu tout le match. On sait très bien que même si on mène contre Épinal, c'est loin d'être gagné. Et vous avez disputé la poule des play-downs alors? Ouais, Amiens a gagné ce soir contre Grenoble, je crois. Donc voilà, ils avaient un point à prendre pour qu'on aille en play-down. Voilà, c'est fait. Donc voilà. Bon, Épinal est surtout revenu dans le deuxième tiers. Après, on a l'impression qu'ils ont repris confiance et les rouleaux compresseurs s'est mis en route. Oui, non, on sait que c'est une très bonne équipe, Épinal. Donc comme je l'ai dit, ils ne sont pas là par hasard. C'est pas une équipe avec des gros leaders, mais ils travaillent fort tous ensemble, ils vont devant la cage, ils payent le prix et ce soir, ils ont été récompensés. Bon, vous avez des joueurs d'expérience quand même, il y a quand même des bonnes chances de vous maintenir. Non, oui, c'est sûr, on va travailler fort pour ça, hein. On va prendre une équipe à la légère. On a su battre des gros comme perdre contre des moins gros, donc il faudra prendre tous les matchs au sérieux et essayer de s'en sortir du mieux qu'on pourra. C'est ça le handicap, c'est vous alterner le très bon et le moins bon dans cette équipe cette saison? Bon, ça a été notre problème toute l'année, ouais, je pense. On n'a jamais réussi à trouver une constance. On a eu des hauts, des bas. Puis on s'est mis un peu tout seul dans la merde. Hein. Il n'y avait pas une équipe plus forte qu'une autre cette année. On a donné des matchs, on s'est battu pour en avoir d'autres. Et voilà. Bon, on n'a pas réussi à être constant toute l'année. Il reste deux matchs. Quel est votre programme, vous? Là, on va à Lyon tout de suite et on reçoit Briançon samedi. Donc, on va essayer de finir sur une bonne note en prenant des bonnes habitudes pour les play-downs. Même en gagnant les deux, c'est mort, c'est play-down. C'est fini, play-down quoi qu'il arrive.